milieu de la vie, l'enfance revient. C'est une eau douce et amère. Mon enfance, je la cherche comme une image perdue. Ou plutôt, c'est elle qui me réclame. Est-ce parce que j'ai 50 ans? Parce que j'ai connu des temps agités où alternaient crainte et espérance? Le souvenir est là, maintenant. Il me cogne aux tempes. Je voudrais le chasser. Avec de la terre et de l'eau, avec les morts, les rizières, avec des mains vivantes, on fait un homme. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit de vouloir. Son costume est blanc, sa cravate sombre. Je voudrais le tenir contre moi. C'est mon père. Je me souviens de l'ancien temps, à Phnom Penh, les grandes fêtes dans notre maison. Je me souviens des rires et des chants. Il y avait des odeurs de caramel, de poisson, d'épices, de mangue. On dansait. On parlait sans fin avec les oncles et les tantes. Les cousins apportaient leurs fruits, des ruyaves et des jacquiers. C'était le temps de l'étude et des livres. J'aimais entendre mon père nous réciter des poèmes le soir. Je me souviens de la douceur surtout. Puis la guerre est venue. Les bombardements se sont rapprochés dans les années 70. Je me souviens des premiers morts, de notre peur, de ma tristesse d'enfant. Il y a tant d'images qui passent, repassent dans le monde, qu'on croit posséder parce qu'on les a vues. Quand on découvre une image sur un écran, qui n'est pas un tableau, un linceul, alors elle ne manque pas. Phnom Penh a été encerclé par les Khmers rouges, qui venaient mettre fin à l'injustice et à l'exploitation. Ils sont entrés dans la capitale le 17 avril 1975. Il n'y a pas eu de cri de joie, mais une attente silencieuse. J'y étais. Je me souviens du regard de ces jeunes combattants, comme si nous n'avions pas été là. On leur avait donné un ordre, ne jamais toucher l'ennemi de la main. L'ennemi, c'est moi. J'ai 13 ans. La banque centrale est dynamitée avec ses billets. Il n'y a pas de retour possible. La ville est impure. La ville est corrompue. Elle est vidée en quelques heures. 2 millions de personnes sont jetées sur les routes et abandonnent leurs maisons, leurs proches, leurs souvenirs. En fait, l'ancien monde. Vive le très glorieux 17 avril, jour de joie débordante. La révolution est si pure,
qu'elle ne veut pas être. Maintenant, Phnom Penh peut être filmé, comme dans la prophétie de Phut Tom Nil. Les maisons seront sans habitants, les rues sans passants, les escaliers, personne ne les montrera. Des rivières de sang couleront. Très vite, nous avons été séparés. Nous avons roulé vers la campagne en pleine saison sèche. Nous avions faim et soif. Nous sommes passés de main en main, comme des bêtes, dans des wagons à bestiaux, puis en charrette. La déportation de Phnom Penh est une image manquante. Tout de suite, les Khmers rouges ont compté, puis séparé les femmes, les hommes, les adultes, les enfants. Interdit tout souvenir, tout effet personnel. Soudain, il n'y a plus d'individus, mais des numéros. On coupe nos cheveux. On confisque montres, lunettes, jouets, livres. On teint nos vêtements en noir. On change nos prénoms. Nous sommes le nouveau peuple. Les bourgeois, les intellectuels, les capitalistes, à rééduquer, à détruire. Tu dois embrasser la condition prolétarienne. Voici le pays nouveau, qu'on appelle Kampuchea démocratique. Une usine aux fumées inquiétantes, des digues et des rizières en béton. Pas d'hommes. Toute la société est organisée de façon collective et militaire, en unité de travail. L'Ankar prend soin de vous tous, camarades, frères et sœurs, pères et mères. L'Ankar, c'est l'organisation. C'est tous, chacun. C'est le jeune Khmer Rouge, ou le chef de village, ou le responsable du centre de torture, ou Pol Pot. Il faut surveiller ce peuple de sable, de poussière et de pieds nus. Bientôt, il n'y aura plus de visages, plus d'amis, plus d'amour, plus de père et de mère. Bientôt, il n'y aura plus d'émotions. Et même les mots seront transformés. Chaque être sera un combattant de la révolution ou de l'engrais pour les rizières. Tenir, il faut cacher en soi une force, un souvenir, une idée que nul ne peut vous prendre. Car on peut voler une image, pas une pensée.
Lancard te prie de bien vouloir venir à une session d'études et de reconstruction de toi-même. Camarade, bientôt nous serons maîtres de l'eau, de la terre et des éléments. Chaque hectare donnera 3 tonnes de riz, ou 5, ou 7. Puis nous serons 10 millions. Il n'y aura plus ni faim, ni fatigue, ni injustice. Les hommes âgés seront nourris par une machine. Lancard est clairvoyant et plein d'astuces. Le peuple est le cerveau de Lancard. Vive la révolution kampuchéenne, grandiose, extraordinaire. Vive la nouvelle société sans riches ni pauvres. Nous levons le poing. Nous répétons des slogans. Lancard établira une société modèle, unique au monde, sans division de classe. Dans ce monde parfait, les barrages sont en béton. Le goudron tient les digues. Tout est en ordre. Au sommet de l'utopie, il y a un drapeau rouge. Et bien sûr, la vérité. Camarade, tu es très libre. Pour l'heure, il faut obéir. Creuser sans relâche. Déplacer la terre. Déplacer les pierres. Pendant des mois, j'ai creusé un bassin au milieu des plaines arides. Je n'y ai jamais vu d'eau. Jamais. Vive le Kampuchéa démocratique qui a effectué un bond en avant prodigieux, un bond en avant merveilleux, un grandiose, extraordinaire bond en avant. Soyons déterminés à travailler dans la rizière sans compter sur le ciel. Ces slogans ne m'ont jamais quitté. Je crois les entendre encore. La vieille société ne pensait qu'à festoyer. Le collectivisme, c'est l'engrais et la cuisine. Désormais, une casserole est individualiste. Il est interdit d'en posséder une. Alors nous mettons tout en commun. Notre seul bien est notre cuillère. Thank you.
Avec la faim, on tient un homme. On les tient tous, vivants ou morts. Quant aux malades, quant à ceux qui n'obéissent pas, ils ne sont pas nourris, ou n'ont qu'une demi-ration. La faim, c'est pour nous. La faim, c'est une arme. Le nouveau peuple est une plante parasite. Les anciens peuples qui nous surveillent vivent dans les greniers. Ils n'ont jamais faim. Rééduquer, c'est d'abord détruire. À Phnom Penh, il y avait un peuple à effacer. La conquête par le vide est une image éblouissante de simplicité. Les Khmers rouges veulent un homme de métal, un pur instrument de la révolution. Les dirigeants Khmers rouges sont l'État universel et homogène. Ils ne se regardent jamais. Il y a bien sûr Pol Pot, frère numéro un, qu'on reconnaît à son éventail. Puis ses camarades, Nguyen Thir, Ieng Sary, Khieu Samphan, Son Sen. Levez-vous, les damnés de la terre. Les damnés, c'est nous, qui sommes aux champs, dans les fers, qui errons tels des fantômes. Dans cette capitale vide pour 4 ans, il reste le comité central et le lycée Poniriat, qui devient le centre S21. Ici, on fouette, on électrocute. On tranche, on fait manger des excréments, on avoue. Tout commence dans la pureté et finit par la haine. Je sais que les Khmers rouges ont photographié des exécutions. Pourquoi ? Fallait-il une preuve, compléter un dossier? Quel homme ayant photographié cette scène voudrait qu'elle ne manque pas? Je cherche cette image. Si je la trouvais enfin, je ne pourrais pas la montrer, bien sûr. Et puis, que montre une image de mort? Je préfère celle d'une jeune inconnue qui défie l'appareil photo, l'œil du tortionnaire, et nous regarde encore. Sang écarlate qui couvre les villes et les plaines du Kampuchea, notre patrie. Sang sublime des ouvriers et des paysans. Sang sublime des hommes et des femmes, combattants de la révolution. Sang devenu haine implacable et lutte résolue. Tu nous as libérés de l'esclavage. Pourtant, on ne filme pas impunément. Je regarde ces enfants qui portent leurs mains, leurs visages, leurs corps fatigués. Cette jeune avant-garde travaille à sa propre destruction. Thank you.
La nuit, je racontais des histoires d'autrefois, avec des fantômes, des sorcières, des voyageurs égarés, des enfants malicieux. Alors, on m'a mis aux cuisines, où l'on mange bien. J'ai raconté l'histoire de la fusée Apollo, filant vers la Lune, avec ses révolutionnaires qui parlaient en chiffres et en codes. Sang écarlate qui couvre les villes et les plaines, couvriras-tu aussi la Lune ? Je rêvais d'y marcher, comme Neil Armstrong, d'un pas léger, enfantin. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Mais qui sont ces gens ? Demande un camarade. Ceux qui marchent sur la Lune ? Ce sont des Américains. J'ai vu les images autrefois. Des Américains ? Tu mens. C'est impossible. Le compteur avoue. Le compteur est tué. Le bond de géant pour l'humanité n'est pas dans la propagande capitaliste. Il est ici, pour nous qui avons faim. Vive la voie indépendante et pleine de maîtrise de l'encart révolutionnaire du Kampuchea démocratique. Vive sa clairvoyance extraordinaire. Sur notre lune, il n'y a rien. La terre craquelée, poussiéreuse, ensevelit tout. Il m'a fallu des années pour apprendre à y marcher, pieds nus contre l'épine. L'eau boueuse coule dans ma gorge. Je disparais peu à peu. Je ne suis plus rien. C'est étrange de boire de la vase. Les buffles nous regardent. Ils sont bizarres, ces hommes, à boire notre eau. La boîte en fer blanc Nestlé devient notre unité de mesure. Elle contient 250 grammes de riz. Très vite, la famine gagne. Ces 250 grammes, nous les partageons chaque jour, à 7, puis à 16, puis à 25. Nous partageons la faim.
Ma mère se bat pour nous. Elle construit une cabane avec des branches, des feuilles, des lianes. Chaque jour, elle marche 2 heures pour que nous puissions boire de l'eau propre. Elle obtient le droit d'apporter une demi-ration à mon père. Mais un soir, il nous dit « Je ne mangerai plus de nourriture pour animaux. C'est non, je suis un homme. » Et il cesse de s'alimenter. Je ne comprends pas. Je lui en veux. Ils ont trouvé une feuille de tôle pour porter son corps jusqu'à la fosse. Ma mère ne pleure pas. Pas une larme pour les Khmers rouges. Cette nuit-là, elle m'a raconté comment mon père aurait dû être enterré par les siens, par ses amis instituteurs, dans la tradition et dans la douce paix. Cet enterrement des mots, je ne veux pas l'oublier. C'était un acte de résistance. Mon père était d'une famille pauvre. Il croyait à l'école. Il rêvait d'y envoyer ses sœurs et ses frères, ses enfants, ses ancêtres, que nous puissions être un peuple libre. Il ne nous abandonnait pas. Il nous enseignait la liberté. Il me semble encore que son âme a regagné notre maison, qu'il peut enfin y réciter tranquille le poème de Prévert qu'il aimait tant. Cheveux noirs caressés par les vagues. Cheveux noirs décoiffés par les vents. Ici, les écoles deviennent des centres d'extermination. Ici, les porcs sont des lecteurs, car les lecteurs étaient des porcs. Ici, chaque soldat a un stylo à sa poche. Parfois une montre à son poignet. C'est interdit pour nous, mais c'est un signe, une distinction au pays qui est la connaissance. La bêche, c'est votre stylo. La rizière, c'est votre papier. Voici l'école d'électricité d'application réelle, destinée à former les techniciens. Les élèves de cette école sont impérativement des enfants des paysans pauvres, de la classe moyenne basse, ou des combattants et combattantes issus de l'armée révolutionnaire. Le camarade Thon a 16 ans. Il est entré dans la révolution à l'âge de 9 ans et dans l'armée révolutionnaire. Il a combattu sur plusieurs champs de bataille. Il a aussi été blessé.
Les enfants comme le camarade Ton sont nombreux, au front comme à l'arrière. On ne peut pas les compter. Ils ont tous des biographies hors du commun. Aujourd'hui, ils s'appliquent à travailler de toutes leurs forces et de tout leur cœur, au sein de leur unité, pour défendre et reconstruire le pays. Mon enfance à moi, c'était les studios de cinéma, avec un voisin réalisateur. J'aimais le monde merveilleux des parures et des coiffes, des couleurs et de l'or, le monde des géants, des contes. J'aimais ces coulisses, où de belles actrices semblaient danser pour moi. Je ramassais des bouts de pellicule que je regardais dans des boîtes avec une petite lumière. Puis ce monde a été détruit. Les cinémas fermés, les artistes exécutés, les chanteurs, les techniciens, les réalisateurs envoyés au champ. Un film Khmer Rouge, c'est toujours un slogan. La pratique vaut toutes les théories, alors ne nourris pas d'idées personnelles. Celui qui a la maladie de l'ancienne société, qu'il prenne Lénine comme médicament. Désormais, il n'y a plus qu'un seul acteur. Ce n'est pas le peuple, c'est Pol Pot. Il est la révolution. Il faut forger son mythe. Une cabane est construite dans la jungle, un décor de bois. Pol Pot est un révolutionnaire. Il ne boit que du thé. Utilise une lampe à pétrole. Se lave dans la nature. Vit avec son pays, ses livres, son arme, ses camarades. Il habite l'idéologie. Le frère numéro 1 s'est inspiré de la jeune humanité. Ce peuple des origines, des Jarayes,
des Kuoi, des Bunong, une poignée de familles ici ou là, qui mettaient tout en commun. En les observant, il a compris. Il a pensé au bon sauvage de Rousseau. Déjà à Paris, Pol Pot signait ses articles Khmer d'origine. Les Khmer rouges, c'est Marx et Rousseau. Le communisme intégral est le pur monde des origines. Une société parfaite. La radieuse révolution brille de tout son éclat. Ces paysans bafoués, abandonnés, adhèrent à la lutte pour la justice. Ils feront belle figure sur les billets de banque du pays nouveau. Mais ceux-ci ne seront jamais utilisés. Il n'y a plus de vente, plus d'échanges, plus de plaintes, plus de vols, plus de pillages, plus de propriétés individuelles. Il n'y a plus de problème. Le nouveau peuple est rééduqué dans les rizières, plongé dans le monde originel, qu'il y retrouve la pureté. Il faut le forger, aller vers l'ancien, ou le détruire. Pol Pot dit « Ceux qu'on ne peut rééduquer, on les combattra comme des ennemis ». Car n'utilise jamais aucun objet venant de la société impérialiste ou féodale. Les voitures capitalistes ont reconnu leur crime et sont rééduquées, elles aussi. Ces voitures travaillent à l'édification d'un pays nouveau. Le soir, au retour du chantier, c'est l'endoctrinement. Les mots sont transformés. Nous parlons en slogan. Le camarade qui a beaucoup de défauts, voilà l'ennemi. Qui proteste est un ennemi. Qui s'oppose est un cadavre. Un enfant de 9 ans dénonce sa mère, qui a cueilli des mangues. L'enfant crie. Ma camarade a reconnu son crime. Sa mère pleure doucement. Avouez, c'est accepter de mourir pour que la révolution soit juste. Quand les hommes seront à ce point libres et égaux, seront-ils encore des hommes? La mère ferme les yeux. Est-ce pour garder une image de son enfant? Elle se tait. Puis elle est partie vers la forêt avec des gardes et n'est jamais revenue.
Je voudrais échapper à la boue, à la faim, à mes vêtements noirs. Marcher dans l'eau est un supplice. Je tombe d'épuisement. Parfois, un avion traverse le ciel. Est-ce qu'il nous observe? Est-ce qu'il va me parachuter un appareil photo? Que le monde sache enfin. L'image manquante, c'est nous. Cet avion irréel me sauve. Je n'ai plus de nom, plus de famille, plus d'espoir. Mais je garde un cœur humain. Je pense à l'ancien temps, à mon frère disparu dans Phnom Penh, le 17 avril 1975, avec sa guitare qui n'a pas dû plaire aux Khmers rouges, ni son regard, ni sa mèche de 16 ans, ni ses chansons. L'heure a disparu, les rires, les danses et les chants. Notre vie quotidienne est devenue un combat, une guerre contre la nature, contre les maux, contre l'ennemi. Les enfants envoyés en première ligne sont encore petits, mais ils sont remplis d'énergie pour faire leurs devoirs. Et moi j'ai répété, l'Ankar ne fait jamais d'erreur, l'Ankar est tout. Je ne souhaite à personne de voir un enfant mourir, les pieds enflés, le visage enflé, comme s'il ne restait que de l'eau. La petite fille tremble de faim. Alors elle vole du maïs. Le chef de groupe la surprend et la raccompagne chez nous. C'est un crime. La grand-mère lui interdit de manger le maïs. Nous ne volons pas, nous sommes fiers. La petite fille pleure et moi je ne comprends plus. Dans la nuit, l'enfant croque du sel, ses dents grincent. La faim, c'est la nuit. Elle a dormi à côté de moi, le ventre gonflé, les yeux fixes. Elle soupirait. Elle appelait sa mère. Elle appelait son père. Puis elle s'est tue. Et nous l'avons enterré. Les deux autres enfants sont morts très vite aussi. Je ne veux plus voir cette image de faim, de souffrance. Alors je vous la montre.
Attention. La mère est transportée à l'hôpital. Elle y apprend que sa fille de 16 ans est morte. Ici, chacun disparaît. Sans un mot, elle a caressé son front. Elle a enlevé les poux de son beau visage maigre. Puis, à son tour, elle s'est allongée sur les planches de bois. Il est interdit de pêcher. Pourtant, les poissons sont là, par centaines. En cachette, j'en ai pris un. Deux jours après, je l'ai apporté à ma mère. Mais elle était morte déjà. Alors, j'ai compris que je serais seul. J'ai revu notre maison, notre cuisine, le jardin, les cahiers, le visage de mes parents. Ces images ne sont pas manquantes, elles sont en moi. Nous sommes décidés à remplir notre devoir politique de 1977 avec un extraordinaire grand bond en avant. Je suis devenu un de ces enfants sur les chantiers. À bien regarder dans ce mouvement, on voit la fatigue, les chutes, les visages maigres. On voit la cruauté. On voit que certains ne peuvent plus travailler. Pourtant, il y a une caméra. Voici l'institutrice. Nous l'appelons ainsi. Elle nous enseigne la bêche et la pelle et l'idéologie. Vivons tous en parfaite égalité. C'est la révolution des enfants. Bien sûr, chacun ne doit compter que sur lui-même. Mais les cadres Khmer Rouge mangent mieux que nous. Ils n'ont jamais faim, eux. Où est l'égalité? Alors nos responsables font leur autocritique. Mes amis et moi, nous sommes envoyés dans un camp très dur, dès le lendemain. Sur ce chantier, nous devions creuser 3 mètres cubes de terre le matin et fabriquer 25 à 30 kilos d'engrais l'après-midi à partir de feuilles et de bouses de vaches. Il y avait tellement peu de vaches, d'arbres, de feuilles que ces chiffres étaient impossibles. Si nous n'arrivions pas à extraire ces 3 mètres cubes, ils devenaient sur ordre 5 mètres cubes. Travaille avec ardeur. Ne sois plus défaitiste devant l'ennemi. Tu dois aimer et respecter la collectivité.
Ce camp était une tombe gardée par un homme à chapeau de feutre. Son chien nous fixait comme une énigme. Cet homme battait ceux qui ne respectaient pas ses règles. Nous avions interdiction de creuser pour trouver des racines et interdiction de parler. Lui déjeunait seul et avait sa propre nourriture, comme son chien. Nous avons partagé nos rations d'enfants. À Paris ou ailleurs, ceux qui aimaient nos slogans, ceux qui lisaient des livres, ont-ils vu ces images? Ou ont-elles manqué? Je retourne dans le passé, vers tous ceux qui ont disparu. Mes sœurs, mes frères, mes cousins, mes parents. L'enfance est loin et proche, avec sa douceur, ses cris joyeux, ses rires, ses voix. L'enfance est une ritournelle. Je ne suis pas retourné chez moi depuis le 17 avril 1975. Je me souviens de chaque détail pourtant. Les peintures, les portes, les jarres, les coursives. Ma maison est devenue un tripot, un karaoké, puis un bordel. Elle aussi a été vidée, arrachée à son histoire. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a que le cinéma. La révolution, c'est du cinéma.
Je me souviens de la grande inondation en 1978. J'étais déjà dans un camp de travail. Nous avions si faim. Puis une énorme botte de paille de riz a été déposée par le fleuve. Nous avons même trouvé des œufs. Alors nous avons mangé. Au cinéma aussi, les récoltes sont glorieuses. Il y a du grain. Il y a ces visages tranquilles et décidés. On dirait un tableau, un poème. Je vois enfin la révolution qu'on nous a tant promise. Elle n'existe qu'en images. Ces sacs de riz n'étaient pas pour nous. Étaient-ils réservés aux dirigeants ou expédiés à l'étranger puisqu'ils étaient tous marqués en chiffres arabes? Ou bien étaient-ce des accessoires de cinéma, des sacs de sable? Chacun de nos gestes était scruté, chacune de nos respirations, et même notre silence. Mais la grande famine a échappé aux dirigeants Khmer Rouge. N'ont-ils rien su, rien vu, rien pu faire? La vérité est-elle dans les slogans glorieux ou dans ces images qui ne manquent pas? Voici ce qu'en dit Pol Pot. Actuellement, nos coopératives sont des unités de collectivisme déjà solides, en politique, en esprit, capables d'accomplir toutes les directives de l'Ankar. Dans toutes les campagnes, elles ont accompli toutes les tâches révolutionnaires avec succès. Elles ont transformé nos régions tristes et sèches de l'époque d'avant, sans eau potable et misérable. Maintenant, il y a des bassins grands et petits, des canaux qui s'entrecroisent, des rizières et des vergers verdoyants. Ces coopératives fondent une société nouvelle, purgée de la corruption et des voyous de toutes sortes. Ces coopératives fondent une société nouvelle, collectiviste, non corrompue, égalitaire, prospère. Ces coopératives vivent une existence parfaite en termes de nourriture, de santé, d'hygiène, de culture, d'études, d'éducation. La réalité, c'est ça. Les maisons en paille, la sécheresse, l'épuisement, la faim, les tubes de néon pour travailler la nuit, les haut-parleurs qui hurlent des slogans. L'idéologie courait les champs et les rizières. Celui qui a filmé ces images, lentes et vraies, s'appelle Aung Sarun. C'était un caméraman Khmer Rouge. On lui doit aussi ces images d'un discours de Pol Pot. Pourquoi ce voile? Est-ce une erreur technique? Ou veut-il montrer les enfants en haillons? Révéler aux frères numéro 1
l'état de son pays. Le caméraman est torturé, puis exécuté. Son corps disparaît. Son histoire disparaît. Mais pas cette pellicule. Engageons-nous à brandir toujours plus haut l'étendard rouge de la révolution. On dirait une phrase de Mao. C'est un slogan de l'encart. Pol Pot se rend personnellement à l'aéroport et accueille deux grands dirigeants chinois, Zhang Zhongqiao et Geng Biao. Les camarades chinois ont inspiré la politique et l'idéologie du Kampuchea démocratique. Cette image de fraternité ne manque pas. Le grand bond en avant n'est-il pas merveilleux? Chaque jour n'est-il pas jour de fête? Le Kampuchea n'est-il pas en train de réussir par la pureté, par le vide, là où la révolution chinoise a échoué? Le Kampuchea n'est-il pas un extraordinaire laboratoire de l'idéologie? Cette visite n'est-elle pas une leçon? Nous avons chassé des rats. Nous les avons mangés. Nous avons mangé des insectes, des racines, des escargots crus. La déshumanisation commence ainsi. Par la faim, par la maladie, par la déchéance physique. Qui a filmé le peuple malade? Qui a filmé les pagodes transformées en hospices? Et mon voisin de lit, le genou mangé par les vers? Et cette jeune femme qui n'arrive pas à accoucher et hurle toute la nuit, seule, se frappe le ventre jusqu'à la mort? Bien sûr, il y a un hôpital Khmer Rouge. J'ai vécu des semaines dans ces grandes salles de mort. Les médicaments sont dans des bouteilles de Coca-Cola. On injecte aux malades du jus de coco, si pur. J'aurais voulu ne plus entendre les gémissements, les hoquets, les cris, ne plus sentir la chair tiède et pourrissante. Les morts partent la nuit. Je les cherchais le matin sur leurs planches de bois. Et j'ai survécu. Cet homme assis par terre est trop faible. Il ne mange pas, ne se déplace plus. Son image est en moi depuis des années. Je tends la main vers lui. Les Khmers rouges ont détruit les médicaments capitalistes. Ils ont haché des racines, les ont fait bouillir. Ils ont expérimenté ces médicaments traditionnels, donc révolutionnaires. Partout, il y a des unités d'expérimentation sur les humains.
à S21, par exemple. Il n'y a plus de diplôme. Il n'y a plus que des diplômes pratiques. Je lavais la salle, je lavais les malades. Et chaque matin, je transportais les morts jusqu'à la fosse. Parfois, je suis au bord du vide. Il y a des sons creux, des os qui tapent, des mains qui cherchent et trouvent celles d'un enfant. Cet enfant qui se dit vivant et qui raconte, c'est moi. De la vie, l'enfance revient, douce et amère, avec ses images. L'enfance comme une noyade, l'enfance comme une question. Comment suis-je ici? Pourquoi n'ai-je pas pu aider les miens davantage? Avec l'enfance, il y a la mort déjà. Comprend les Khmers rouges en observant leurs images. Pol Pot forge une réalité conforme à son désir. Même la nature doit s'y plier. Parfois, les cadres rassemblaient plusieurs villages et nous projetaient un film, vantant la lutte du peuple à main nue contre les puissants colonisateurs. Bien sûr, nous savions que les acteurs étaient mauvais, que le film était mauvais, et beaucoup dormaient au fond, épuisés, comme moi.
Pendant 4 ans, nous avons été déplacés de chantier en chantier. Comment se révolter quand on possède un vêtement noir et une cuillère? Quand on est perdu? Quand on a faim? Certains disent aujourd'hui que c'est à cause du bouddhisme et de l'acceptation du destin. Où étaient ces beaux esprits alors? Dans les livres? Dans le ciel des idées? Ici, ce n'est pas le karma ni la religion qui tue. C'est l'idéologie. Au commencement de tout totalitarisme, il y a le faux. Tu as peur des ennemis, tu as peur des souches d'arbres. J'ai travaillé dans les grandes forêts. Nous devions élaguer pour planter des champs de maïs. Il y avait la chaleur et l'humidité, les serpents, les mygales, les singes et les lézards que certains de mes camarades ont mangés. Ne nous laissons pas vaincre par la nature. Jurons de passer à l'attaque. Effectuons une percée. Ces slogans ne m'ont jamais réveillé. Mais les bruits de la grande forêt, oui. Nous sommes endurcis, habitués à lutter contre le froid, à contrôler nos corps. Après l'orage, nous dormions dans nos vêtements mouillés. Je me souviens du marché central, aux odeurs amères et joyeuses, aux odeurs de jasmin. Je me souviens des amoureux, de leurs gestes timides, de leurs regards. Je me souviens de l'abondance. Je me souviens de la soie, du poisson, des viandes. Et de l'odeur de poulet bouilli qui m'a obsédé pendant 4 ans. Je me souviens des repas joyeux. Au marché de mon enfance, les gens avaient des bouches. Ils riaient et discutaient et s'embrassaient. C'est la même rue, vivante puis vide. La même, oui, dans les faubourgs de Phnom Penh.
Il suffit d'ouvrir les yeux. Je me souviens de ce monde imparfait et humain. 2000 ans d'esclavage, a dit Pol Pot. C'est un être humain comme vous et moi, mais simplement il a fait un choix d'idéologie criminelle. Et, mais c'est très difficile quand même, c'est pour ça que je voudrais vraiment faire ce film, parce que personne n'est né assassin, n'est né pour moi. Votre fils, il sait bien faire du blabla maintenant. Il parle, il parle. Les phrases, il sait faire. J'aurais voulu qu'il soit instituteur, comme toi. Et c'est notre histoire qu'il filme. C'est nous. Mais il y a des pauvres qui ont faim. Les riches les chassent de leurs terres. Et lui, il ne pense qu'aux Khmer rouges. Le père a raison. Avant les Khmer rouges, déjà, on chassait les pauvres de leurs terres. Ils ont enrôlé le peuple sur cette injustice. Et il y a eu aussi les Américains. Ils ont largué plus de 500 000 tonnes de bombes sur le pays. Alors les pauvres ont adhéré à la révolution. Ils ont levé le poing. Les Khmer rouges leur ont menti sur la justice, l'égalité, sur le bonheur, sur le progrès, surtout. Et ces mêmes pauvres aujourd'hui creusent encore la terre. Parfois, je vois un enfant. Disons que c'est moi. Tout était mauvais pour lui. Il ne savait pas pêcher, marcher pieds nus, ni se battre. Des années plus tard, il se sent coupable de n'avoir pas plus aidé ceux qui étaient dans le dénuement. Il paraît qu'à parler, on s'apaise. On comprend. On traverse. Pour moi, la sagesse ne viendra jamais. Je ne cherche pas une image des miens. Je voudrais les toucher. Leur voix est manquante. Alors je ne raconte pas. Je voudrais tout quitter. Quitter ma langue, mon pays. En vain. Et l'enfance est revenue. Maintenant, c'est l'enfant qui me cherche. Je le vois. Il voudrait me parler. Mais les mots, c'est difficile. Ce chien noir, c'est le dieu du passage. Il me conduit à sa barque. En le fixant, je pense à l'homme au chapeau de feutre et au fleuve sur lequel flottaient des cadavres. Dans le village où j'ai vécu, des familles ont continué à habiter après le départ des Khmers rouges. Les hommes jeunes sont partis travailler en Thaïlande. L'ancien chef de village, qui était cruel et nous terrifiait sur son cheval, n'a pas été arrêté. Il a vécu heureux, je crois, et a eu beaucoup d'enfants. Ah,
La cantine Khmer Rouge a disparu. Il ne reste presque rien. Des miettes de jarre, des casseroles rouillées, un fourneau en terre. Tout a passé, comme dans un film cruel. Quant aux fosses proches de l'hôpital, où j'ai enterré tant de morts, et ma mère, et mes sœurs, elles sont devenues un lac artificiel, creusé par un organisme international. Les ossements ont été emportés. On a planté du potiron et du maïs. Mais l'eau du lac est si salée, si étrangement verte, que personne n'ose l'utiliser ou la boire. Les morts sont-ils là? Oui. Parfois, il me semble qu'on a marché sur eux. Alors je m'écarte. Il y a toujours les âmes qui errent, se cherchent un lieu, une pensée douce et noble. Beaucoup ont résisté, beaucoup, en silence, d'un mot, d'un sourire. Parfois, il suffit d'un geste pour dire non. Je pense à mon père qui nous annonça son choix. Parfois, un silence est un cri. Le deuil est difficile, l'enterrement sans fin. Il n'y a plus de wagons à bestiaux, il n'y a plus de slogans, ni de jeunes gardes noirs. Il y a la terre gorgée de sang, leur chair c'est la mienne. Ainsi nous sommes ensemble. Il y a beaucoup de choses que l'homme ne devrait pas voir ou connaître, et s'il les voyait, ce serait mieux pour lui qu'il meure. Mais si l'un de nous voit ces choses ou les connaît, alors il doit vivre pour raconter. Chaque matin, je travaillais au-dessus de la fosse. Ma pelle cognait les os et les têtes. De la terre, il n'y en a jamais assez. C'est moi qu'on va tuer, ou bien c'est fait, déjà. Bien sûr, je n'ai pas trouvé l'image manquante. Je l'ai cherchée, en vain. Un film politique doit découvrir ce qu'il a inventé. Alors je fabrique cette image. Je la regarde. Je la chéris. Je la tiens dans ma main comme un visage aimé. Cette image manquante, maintenant je vous la donne, pour qu'elle ne cesse pas de nous chercher.